Je ne fais pas de différence entre un artiste et un éleveur de Gawal ou un chercheur d'or de Sigiri. C'est clair, c'est des citoyens comme les autres. Donc, quand un artiste est interpellé par la police, sachez que c'est une affaire de police. Tant qu'il n'est pas déféré devant le procureur de la République. Dès qu'il est déféré devant le procureur de la République, après le travail de la police, la justice rentre en jeu. Il faut quand même faire cette distinction dans ce pays. Et une fois que la justice est saisie, et là, vous pouvez nous interpeller. Vous cherchez à savoir qu'est-ce que le procureur général, qu'est-ce que les procureurs d'instance font en l'occurrence. Concernant ces deux affaires, un, le nommé Kamano, dès qu'il a été déféré, monsieur le procureur général de Conakry, j'ai rentré de Dakar, donc c'était un mardi, me semble-t-il. On a immédiatement donné des instructions pour qu'il soit mis sous contrôle judiciaire concernant Kamano. Et concernant Takana Zion. Zion. Takana Zion. Ah oui, d'accord. Vous pourriez rectifier vous-même. Le deuxième artiste, comme vous savez, il a été aussi interpellé. Quand il a été déféré le jour des obsèques des magistrats de la Cour suprême, comment il s'appelle ce magistrat, Yves Aboli. Dès qu'il a été déféré le matin, le procureur général était là, il est venu nous donner l'information et tout. On a eu quelques discussions. C'est le procureur général, il n'avait pas de casier ni rien. Il demandait de donner des instructions qui soient mises sous contrôle judiciaire. Alors, je vous cite ces deux exemples pour vous dire que personne, vous comprenez bien, personne dans ce pays ne va nous instrumentaliser pour dire que j'ai fait des démarches et tout pour que les acteurs soient libérés. C'est les procureurs, sur la base des textes, sur la base de la situation inconcrète et sur la base des instructions que je donne au procureur général. On est des êtres humains, on voit la situation inconcrète. Donc, concernant ces acteurs-là, effectivement, le parquet général, à la demande du ministre, ils ont été mis sous contrôle judiciaire. Personne d'autre n'est intervenu. On n'en dira pas plus, M. le procureur pourra revenir là-dessus, si vous donnez quelques détails.